Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce téléjournal de 22h. D'abord, l'Afrique du Sud avec le retour du président soudanais Omar El-Béchir dans son pays recherché pour génocide par la Cour pénale internationale. Il a quitté ce lundi Johannesburg après avoir assisté au 25e sommet de l'Union africaine. Une fois de plus, Omar El-Béchir passe entre les mailles du filet de la CPI. Reportage. En marge du 25e sommet de l'Union africaine, le président soudanais a fait fi de l'interdiction de sortie du territoire prononcée par la justice sud-africaine. Poursuivi pour génocide par la Cour pénale internationale, Omar El-Béchir a décollé ce lundi de Johannesburg sans attendre le verdict de demande d'arrestation émise contre lui. Malgré cette apostrophe, l'entourage du chef de l'exécutif soudanais ne s'est montré inquiet. C'est un équilibre entre les obligations de l'Afrique du Sud en termes de droit international, exécuter un mandat d'arrêt de la Cour suprême et en même temps, le gouvernement d'Afrique du Sud a aussi des obligations internationales de respecter la souveraineté d'un État dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Un peu plus tôt ce dimanche, Béchir a tranquillement participé au sommet de l'Union africaine et a posé au premier rang de la photo officielle des chefs d'État. Visé depuis 2009 par des mandats d'arrêt, le chef de l'exécutif soudanais vient de faire une fois de plus un pied de nez à la justice internationale, confirmant ainsi l'étroite relation existant entre les chefs d'État africains et la CPI. Âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 1989, Omar El-Béchir a déjà fait preuve d'audace en se rendant dans des pays membres de la CPI, notamment le Tchad, le Kenya et le Nigeria. Son cas souligne la faiblesse intrinsèque de la CPI, qui peut enquêter sur des crimes et émettre des mandats d'arrêt, mais qui dépend des gouvernements pour faire ces arrestations. Direction l'Afrique occidentale, deux kamikazes ont perpétré simultanément deux attentats mortels dans le nord-est du pays. Et ce lundi matin, le bilan fait état de 10 morts. Uriel Abaga. 10 personnes ont perdu la vie ce lundi matin à la suite d'un double attentat suicide à Potiskum, le grand carrefour commercial de l'état de Yobe au nord-est du Nigeria. L'information et tous les détails de ces nouvelles violences ont été dévoilés par la police locale et un milicien qui coopère avec l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. Le premier kamikaze qui transportait des explosifs dissimulés sous ses vêtements a fait engager la déflagration devant les locaux d'une milice locale, causant la mort de 8 de ses membres. Le deuxième Kida a quant à lui fait exploser sa charge dans un début de boisson, faisant passer deux personnes de vie à trépas. Un double attentat perpétré en simultané avec celui qui a fait une vingtaine de morts en N'Djamena au Tchad, où le gouvernement a aussitôt accusé la secte Boko Haram. Les habitants de l'état de Yobe sont habitués aux attaques de la bande à Aboubakar Shekau, même si les autorités locales n'ont pas encore pointé du doigt ces islamistes qui sévissent dans la région du lac Tchad. Depuis l'investiture de Muhammadu Buhari, le nouveau président du Nigeria, qu'on ne cesse de présenter comme l'homme de la situation, Boko Haram semble vouloir prouver que sa capacité de nuisance reste intacte. Quelques jours après l'adoption au sommet d'Abuja de la mise en place d'une force multinationale mieux structurée, située à N'Djamena et dirigée par le Nigeria, le choix de la capitale tchadienne et de l'état de Yobe au Nigeria n'est donc pas fortuit. C'est un message clairement lancé aux dirigeants des deux pays qui semblent les plus actifs dans la lutte contre Boko Haram. L'heure des promesses à tout va est donc terminée pour les présidents des pays concernés. Ces différents chefs d'État doivent mettre rapidement en pratique toutes les décisions entérinées pour anéantir Boko Haram, qui ne fait manifestement pas dans la dentelle. Un mot de santé au Gabon pour rendre effectif la lutte contre la poliomyélite. Le ministère de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne destinée aux enfants de 0 à 5 ans vise à renforcer l'immunité de ces derniers contre la poliovirus sauvage. En prévision de cette campagne, Marielle Biogou a rencontré Flore Tala Maoku, communicatrice en santé du ministère gabonais éponyme.
Le ministère gabonais de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dès ce vendredi, les enfants de moins de 5 ans recevront des personnels de santé 2 gouttes de ce vaccin approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce faire, les équipes vont se déployer sur l'ensemble du territoire en allant de porte à porte et comptent aller jusque dans l'arrière-pays pour toucher les zones rurales les plus reculées du pays. De plus, cette campagne vise à renforcer l'immunité des enfants contre la poliomyélite et la surveillance des cas de paralysie. C'est en effet pour faire face à une menace d'épidémie comme celle qui avait sévi en 2014 au Cameroun et en Guinée équatoriale que le Gabon renforce son dispositif de prévention conjointement avec la République de Guinée équatoriale. Il y a une épidémie en Guinée équatoriale. Et comme nous savons que nos frontières sont closes, donc pour prévenir l'épidémie, le ministère de la Santé organise cette campagne de vaccination pour renforcer l'immunité de nos enfants. Parce que là, nous faisons cette campagne à titre préventif. Parce que l'intérêt du gouvernement, c'est de prendre soin de la santé des populations. Aussi, la communicatrice a-t-elle rassuré que ce vaccin ne contient aucun effet secondaire et que la multiplication de doses ne nuit en rien à la santé des enfants. Rappelons que la poliomyélite est une maladie grave pouvant conduire à la paralysie ou à la mort. Éradiquer cette pathologie est donc le pari que se sont donné les autorités gabonaises et celles de la sous-région. Et pour terminer cette édition d'information dans la rubrique 7 en plus du journal de 20h, Adina Koussou était l'invitée de Carnoy Toumengue. L'entretien était axé sur le double attentat suicide perpétré ce lundi dans la capitale et qui a notamment visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police. Le gouvernement tchadien accuse Boko Haram qui n'a pour l'instant encore rien revendiqué. L'entretien, c'est dans une poignée de secondes. Arrivé sur ce plateau pour évoquer cet attentat qui s'est déroulé ce matin en N'Djamena. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce double attentat qui s'est perpétré donc en plein cœur d'un N'Djamena au Tchad? Déjà précisé aux téléspectateurs que N'Djamena est devenue la ville stratégique de la lutte contre la menace islamique Boko Haram, en ce sens qu'elle a été désignée, comme je le disais tantôt dans mon reportage, pour abriter les locaux, ou sinon la base même de la force multinationale, la force militaire multinationale qui doit lutter contre Boko Haram, une force qui est naturellement conduite par le Nigeria et on va dire les autres pays tels que le Cameroun, le Niger, le Tchad, pour ne citer que ces pays-là, et bien sûr avec le soutien du Bénin. Il faut quand même ajouter que depuis le déploiement ces 5 derniers mois des militaires tchadiens sur tous les autres territoires frontaliers, ça a été quand même un poids fort pour l'armée tchadienne, mais un poids faible, j'ai envie de le dire comme ça, pour les hommes d'Aboubacar Shekau, dans ce sens qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes dans les combats, dans ce sens que l'armée justement tchadienne a été maintes fois au-dessus des attaques. Il faut aussi dire que le Tchad se présente comme un combattant sérieux pour la lutte contre Boko Haram, et le président Idriss Déby a bien dit qu'il ne sera pas tranquille, il ne sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas éradiqué la menace de Boko Haram dans la sous-région et notamment sur le continent africain. Alors, selon le constat qu'on a fait sur le terrain, certaines indiscrétions voient ce mode opératoire comme étant identique à un certain groupe islamiste, c'est donc Boko Haram. Est-ce que les autorités tchadiennes voient en cela un message d'Aboubacar Shekau? Justement, le mode opératoire, voilà, est remarquablement, à notre plus grand étonnement, très ressemblant à celui de la secte islamiste Boko Haram, une situation qui a véritablement interpellé les autorités tchadiennes sur la question, à savoir si c'est un message envoyé. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le 29 mai dernier, lorsque le président Mamadou Bouhari prêtait sa
serment pour justement diriger le Nigeria, comme actuellement il le fait. Juste après avoir prêté serment, quelques temps après, il y a eu ce même type d'attentat à Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, des attentats suicides qui visaient justement à interpeller les autorités nigérianes sur les futures frappes du groupe islamiste Boko Haram. Aujourd'hui, à quelques deux semaines, j'ai envie de dire, de la visite du président Mouhamadou Bouhari sur le territoire tchadien, il allait rencontrer son homologue Idriss Déby. Vous voyez que Boko Haram réagit en commettant cet attentat suicide à N'Djamena, un attentat qui a causé la mort de 27 personnes. Donc, pour moi, c'est un message sérieux que les terroristes nigériens envoient aujourd'hui aux autorités du Tchad. Alors, on peut donc faire un lien très rapidement entre ces attentats perpétrés ce matin et le dernier voyage en date du président Mouhamadou Bouhari à N'Djamena. Alors, je serais tentée de faire une petite hypothèse, bien que nous ne pouvons pas sur ce plateau affirmer tout de suite qu'il y aurait un lien, mais à remarquer quand même que le prédécesseur de Mouhamadou Bouhari, en la personne de Goodluck Jonathan, était décrié pour sa passivité, pour son inaction face à la menace Boko Haram qui était grandissante sur le territoire nigérian. Aujourd'hui, Mouhamadou Bouhari est présenté comme l'homme incontournable, l'homme de la situation. Il a été présenté, il est toujours. Alors, nous espérons et nous avons envie de croire que, au regard de l'engagement des plus hautes autorités nigérianes, notamment aussi l'engagement du président tchadien à éradiquer la menace Boko Haram, c'est peut-être là aussi on pourrait, je le mets au conditionnel, un lien entre la visite de Mouhamadou Bouhari le 5 juin dernier sur le territoire tchadien et cette frappe d'un groupe terroriste, peut-être pas encore identifié, mais comme le mode opératoire ressemble à Boko Haram, nous serons peut-être tentés de dire que c'est Boko Haram qui agit derrière cette nouvelle attentat suicide. Dina Kousso, merci. Voilà, c'est sur cet entretien de 7 ans plus que se referme cette édition de 22h. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.